Regardez, c'est l'homme d'aller la remettre. Et les blanches, petite blanche, attaquée par les Gabriel. Alors, on va regarder, courtière agressive, une courtière méchante, mais qui va permettre, nous espérons, bon départ et surtout de bons écarts. Allez, Gabriel, hein, il faut que tu te l'accapares là au premier départ. Regardez, 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 elle est partie. Ouais, Antonin. Antonin, il a eu le très bon reflet de la tournée à l'intérieur. Ah, elle n'est pas facile, hein. Elle est difficile, ce courtier de Brasilia. C'est Gardoy. Ah, vous voyez, tout style olympique. À Marie Mosca de Bayonne. Là aussi, il faut donner un peu de temps. Tout le groupe pour la bande. Ah, ça va être difficile, mais les autres de la police. Il a un rôle important au sein de la Corrière. Il attend la poussière. Il l'a fait passer très bien. Les écarteurs sauteurs, et après il y aura la vache au garde. Les amateurs merveilleux commencent les professionnels à pour rajouter la poussière, car il faudra descendre dans l'arène. Le comité des grands de récompense nous en sont très sains pour celui qui enlève la garde tout à fait en fait de spectacle. Pour l'instant, donc, on regarde, c'est le jeune Joris qui vient le 7ème affronter la poussière. Ouh là là! C'est évident que ces jeunes ont l'audace d'approcher les poussières. Mais il leur manque du métier, il manque du métier, c'est sûr. Alors là, elle était très bien passée, la fête était très bien passée. Ils n'appellent pas le métier de ces anciens de revenir sur la poussière. On va voir. Brasilia, c'est vrai que c'est une poussière de respect qui impressionne, qui fait mal également. On a vu plusieurs écarteurs cette saison chuter lourdement devant cette poussière. Et enfin, on ne va pas trop en parler parce que ça pouvait atténuer l'erreur et la compatibilité de ces hommes. Regardez, bon travail du jeune sauteur. Allez, où est passé chez nous? Faut que quelqu'un derrière là, un second rapide, il attend là. Hein. Attends là, Joris. Hein. Attends terriblement de manière à ce qu'elle te voit. Hein. Qu'elle te voit. Ouais. Allez, allez, voyons. Oui, oui. Ah, bon écart. Il n'a pas eu ce jeté énorme, il est passé très très, les cornes, très très du poitrail. C'est du bon travail de Gabriel. Et enfin, il nous a montré depuis le départ un garçon qui a la volonté de réussir. Il a la volonté d'apprendre également. Donc, il nous revient. Et il nous a fait signe, je l'offre aux deux anciennes, à Christophe et à Didier. Et tu sais qu'en principe, lorsqu'on offre cet écart, aux deux anciennes, on lui met le paquet, ils sauront te récompenser par la voix, le geste des autres jeunes. Alors tu regardes bien, hein, le départ de la bête, tu écoutes Didier,
avec son expérience. Ouais, elle est capable de très bien se passer et de la faire un coup de main. Non, elle est partie en travers. Il est de mettre à bord le truc. Il faut le courage, il faut la volonté, mais il peut faire échapper devant le départ de la course. Ils ne sont pas capables de la prendre. Plutôt que de faire une cagade, comme on dit, là, vraiment, jusqu'à présent, il a bien choisi ses départs. C'est sûr qu'il fait travailler davantage les entraîneurs et courtiers. Mais enfin, on connaît la sportivité des hommes en blanc. On connaît également le désir de protection de ces garçons. Regardez le petit jeune qui revient. Alors, il a certainement dans la tête le dernier écart qu'il a fait tout à l'heure. Donc comme il va pas vouloir recommencer à faire le même, et qu'il a vu son copain la passer très près, il va attendre, c'est sûr, et attendre au maximum. Alors tu as Gabriel derrière toi, hein. Gabriel va attendre au dernier moment là, pour démarrer, de manière à lui montrer le chemin aussi à la coursière. C'est le plus jeune, 15 ans, il n'a pas eu l'occasion de l'affronter plusieurs fois cette saison. Regardez, tu vas faire où là, là. Je rappelle. Bon, si vous arrivez la nuit, on ne vous dit pas, hein, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que nous avons à Tardes-Charrette, en Soule, et Marais-Tous, les ambulances et taxis qui ont offert une prime. Alors déjà, pour la récompense à ce jeune garçon qui est venu écarter Vasilia, il y a 10 euros de prime. Donc 10 euros pour Gabriel. Et après, ils nous ont dit on en amènera d'autres. Mais pour l'instant, nos 10 euros de prime offerts par les taxis de Soule et d'Arrêtous. Arrête et Tardes. Oh, cool. Come on, get mine. Attention. On va pas ici. Ça rentre. Oui, apparemment, je rentre à la coursière, donc elle va nous quitter, Brasilia. Oh. Elle est rentrée. C'est bon, elle est rentrée. Oh. 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 Voilà, la poussière est rentrée.